Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tester le tout nouveau Hotel Evo 2 dans sa version 6K. Alors, c'est un appareil qui commence à arriver en Europe et puis donc j'ai l'opportunité de pouvoir le découvrir grâce à Johan de Lyon Drone Service, que je remercie beaucoup au passage. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce nouveau Hotel Evo ? Tout d'abord, lui, il nous propose une caméra en 6K. Alors on verra que c'est pas tout à fait 6K, mais c'est quand même de la vidéo en très bonne définition, avec un capteur assez gros, un capteur d'un pouce. Donc ça nous fait des photosites de 2,4 micromètres. Donc ça garantit une bonne captation de la lumière. Toujours sur le capteur, on a une ouverture réglable de f2.8 à f11. Et puis également, on peut enregistrer en D-Log 10 bits. Je vous propose d'ouvrir ensemble le coffret dans lequel l'Evo 2 est livré. Alors on peut déjà voir que c'est vraiment une belle boîte, bien solide, bien rigide, que les professionnels devraient apprécier puisqu'on a toujours plein de matériel à l'intérieur de sa voiture. Donc on a le drone qui est bien protégé, ainsi que tous ses accessoires. Donc on voit l'Evo 2 ici, des batteries, la radiocommande. On a également des logements pour mettre les autres gimbals, hein, puisqu'on pourra plus tard acheter les autres nacelles. On peut mettre des documents et du matériel complémentaire. Donc là, c'est vraiment un bon point. On va s'intéresser à l'appareil en lui-même. Alors, il pèse quasiment 1,2 kg. Il est un petit peu moins lourd qu'un Phantom 4 Pro. Donc, pour ceux qui connaissent bien la gamme de chez DJI de drone, on pourrait dire que cet Evo 2, il se situe quelque part entre un Mavic 2 Pro et un Phantom 4 Pro. Autre point remarquable sur cet appareil, c'est qu'il a des capteurs anti-collision partout, donc au-dessus, en dessous, sur les côtés, derrière, devant, et à chaque fois, on a deux capteurs qui permettent d'avoir une vision stéréoscopique afin de bien appréhender les distances. Il a une autonomie qui a l'air bien sérieuse, plus de 35 minutes annoncées grâce à une batterie 3S de 7100 mAh. Alors attention, c'est pas du 4S, c'est du 3S, ce qui fait qu'en énergie embarquée, on est un petit peu moins que le Phantom 4 Pro, mais ça confère quand même à cet appareil une autonomie de plus de 35 minutes annoncées. L'Hotel Evo 2 est livré avec cette radiocommande qui permet d'installer ici un gros smartphone. Alors on ne pourra pas aller jusqu'à une tablette, il faudra peut-être changer cet adaptateur. On a une ergonomie qui a l'air assez bonne. Et puis, point important sur cet appareil, c'est qu'on a bien le marquage CE. Ça veut dire que les émissions radio obéissent aux règles européennes et ne se contentent pas de la norme américaine FCC qui tolère des émissions bien plus puissantes. Donc là, on a bien le marquage CE, donc c'est un modèle qui a été importé conformément aux règles locales. Voilà, on vient de vider les deux premières batteries de l'Evo 2. On a testé une grande partie des fonctions. On est plutôt emballé par cet appareil. Déjà, il est assez silencieux par rapport à sa taille. La couleur orange, je trouve ça pas idiot. Ça permet de le rendre bien visible dans le ciel. Ensuite, en termes de prise de vue, ça a l'air d'être performant. Le zoom digital, il a l'air d'être assez stable. En tout cas, sur le retour vidéo, ça avait l'air propre. L'application me semble assez ergonomique. On a des hélices assez grandes qui font 23 cm. C'est marqué 9 pouces. Par rapport à sa masse, par rapport à sa taille, c'est un appareil qui nous semble très silencieux. Et le seul point un petit peu négatif qu'on a vu pour l'instant, c'est son comportement
En pilotage, il a l'air un petit peu chatouilleux aux commandes, il part un peu vite lorsqu'on lance une action, mais ça va peut-être se régler, mais je dirais par ça a l'air d'être vraiment un appareil qui amène pas mal de performances et de fonctionnalités, et je pense qu'il devrait bien ravir les professionnels de la prise de vue aérienne. Bien entendu, on n'est pas en train de faire une revue détaillée, on n'a pas beaucoup de recul sur comment va vieillir ce produit, mais en tout cas, après cette première séance, c'est un appareil qui me ferait bien envie. Après cette évaluation à chaud, c'est maintenant le moment d'évaluer les prises de vue en photo et vidéo et de donner un avis global sur cet appareil. En comparant les JPEG de l'Evo 2 à gauche et du Mavic 2 Pro à droite, l'impression globale est d'image très piquée sur l'Evo 2. Les couleurs sont un peu plus flatteuses sur le Mavic avec des verts plus nuancés et un bleu légèrement plus profond. En zoomant dans la photo, on voit que les contrastes locaux sont bien accentués sur l'Evo 2, peut-être un peu trop. Cela renforce l'impression de netteté générale, bien que je n'observe pas de différence dans l'acuité des deux caméras. La taille des JPEG de l'Evo 2 est très variable et insuffisante, entre 3 et 8 mégas. Dans la plupart des cas, cela se sent fortement. À part pour une diffusion immédiate sur réseaux sociaux, il vaudra mieux systématiser l'usage des DNG. Je vais comparer maintenant les formats DNG. On obtient des photos équilibrées en netteté. On n'a plus ce piqué trop chirurgical sur la photo de l'Evo 2, car il n'y a pas cette accentuation des contrastes locaux sur les DNG. Donc sur les DNG, la colorimétrie du Mavic perd en naturel avec des teintes violacées. Le bruit sur le Mavic apparaît comme bien plus présent, surtout dans le ciel et les ombres. En termes de pouvoir résolvant, je ne détecte aucune différence. Cet autre exemple montre les fortes similitudes des deux photos en qualité globale et en piqué. Les détails sont très bien restitués des deux côtés et sans artifice. Même s'il reste léger, le bruit se fait plus sentir sur le Mavic 2 Pro. Passons à contre-jour pour mettre en difficulté les capteurs. Je trouve que les deux s'en tirent bien. Le lance-flare est plus marqué sur l'Evo 2. J'ai du mal à les départager sur la plage dynamique. Je donnerai l'avantage à l'Evo 2 qui produit une information moins bruitée dans les ombres. L'acuité est encore remarquablement identique au pixel près. La fonction zoom est uniquement numérique et il faut certainement interpréter que la mention sans perte de qualité ne concerne que le retour vidéo sur le smartphone. Elle n'a d'intérêt que pour de l'inspection en temps réel. Enfin, on trouve d'autres modes automatiques, tels que le bracketing, mais malheureusement, pas de captation automatisée de panorama, et l'hyperlapse n'est pas encore disponible. En conclusion, le capteur et l'optique de l'Evo 2 tiennent leurs promesses en photo. À part les JPEG qui dénaturent trop la réalité, les DNG sont une grande qualité, tant du point de vue de l'optique, de la dynamique, de la colorimétrie et de la maîtrise du bruit. Donc je suis en train de piloter l'Evo 2. On vient de passer en mode 1. Moi je pilote en mode 1. Je fais partie des vieux qui volent encore en mode 1. Je suis curieux de voir les résultats sur l'ordinateur. Surtout la vidéo en 6K. Bon, c'est pas tout à fait du 6K, je précise. Ouais, donc effectivement le pilotage il est assez chatouilleux. On n'a pas tout à fait les comportements d'asservissement qu'on trouve chez DJI. Et ça, c'est un petit peu déroutant. Et je pense que c'est une question d'habitude. Hein. Et puis peut-être de réglage. Et là, c'est l'idéal. On peut filmer les montagnes. Une belle antenne relais. Ça, c'est très très joli, les antennes relais.
Maintenant, en vidéo, on retrouve les performances de la photo en dynamique, colorimétrie et piqué. Il ne faut pas se faire abuser par la dénomination 6K, qui est en réalité du 5472x3076. Pourquoi ce format avec un rapport de 1,42 sur la hauteur et la largeur ? Simplement parce qu'il double le nombre de pixels du format UHD. L'intérêt d'une telle définition est principalement de se donner beaucoup de marge dans les recadrages des plans en vue d'un rendu en 4K ou en UHD. Par rapport au Mavic 2 Pro, l'Evo 2 6K l'emporte déjà sur la définition nettement supérieure. Pour la comparaison avec le Mavic, les drones sont toujours mis en côte à côte, l'Evo 2 filme en définition max, tandis que le Mavic filme en UHD High Quality. Les formats de capteurs et longueur focale réelle étant quasi identiques, on est certain d'égaliser la résolution sur les deux vidéos afin de concentrer l'évaluation sur la qualité d'image. En réglage de style normal, sur les Evo 2, on retrouve un peu le défaut des photos JPEG, des contrastes locaux trop forcés, alors que la caméra n'a pas besoin de cet artifice. En contre-jour marqué, l'Evo 2 s'en tire beaucoup mieux avec un niveau de bruit significativement moindre et une colorimétrie plus fidèle. En conclusion, sur la qualité vidéo, l'Evo 2 offre de très bonnes prestations avec une définition élevée, des performances en basse lumière associées à une bonne maîtrise du bruit et des couleurs fidèles. Manifestement, Autel a réussi l'intégration du récent et performant IMX 383. En conclusion générale sur l'Autel Evo 2 Pro, pour les faiblesses, on regrette la qualité aléatoire des photos JPEG due à la compression trop élevée et au dosage un peu fort de la netteté. On regrette également, surtout pour un produit à vocation professionnelle, l'absence de captation automatique des panoramas. On aurait également aimé plus de soins dans la finition et la qualité des plastiques et un design de radiocommande plus orienté pro que loisir. Concernant les forces de l'Evo 2 Pro, le capteur IMX 383 est son principal atout. Le fabricant a réussi son intégration afin de nous proposer des images de qualité bien définies, offrant une bonne plage dynamique avec une colorimétrie juste et une remarquable maîtrise du bruit. Autel n'a pas non plus fait de compromis sur l'autonomie, les anti-collisions et la modularité des nacelles. Cela conduit un produit moins compact et plus lourd, mais ce n'est pas gênant vu à qui il est destiné, surtout qu'il est peu énergivore et peu bruyant malgré sa masse. Les professionnels apprécieront le profil de couleur des logs 10 bits et le Mission Planner intégré pour la captation en photogrammétrie. Nous n'avons pas rencontré de problème de connexion en volant à vue, avec un autre drone à côté et en proximité forte d'une antenne relais. Le recul est insuffisant pour juger la fiabilité de l'appareil dans la durée. En tout cas, c'est un produit qui peut sérieusement se positionner dans cette gamme de matériel et satisfaire les professionnels en quête d'une bonne machine inférieure à 2 kg ou les photographes exigeants.